Le docteur Yves Jambard qui se passe de présentation Dadou pour les intimes, particulièrement pour moi qui ai connu cette personnalité petit, c'est un plaisir de retrouver Dadou. Dadou, bienvenue à Téléimage. Bon, à moi de te dire merci. Merci d'avoir fait ce long voyage, de ton, de ton froid New York, pour venir jusqu'ici. Merci d'être venu jus jusque dans ce centre que je pourrais appeler le centre de la vie. Et je suis content de te revoir des années après. Je vois que tu as fait du chemin, compliment. Téléimage et désormais une réalité, je dirais, nationale, ou même internationale. J'ai d'autres gens qui nous suivent. Et merci d'être venu jusqu'à nous, jusqu'à ce centre où l'on essaie de se battre pour que le football existe. C'est un plaisir d'être là. Et sur le terrain, on a vu ces jeunes filles qui s'entraînent. On parle d'abord des jeunes filles parce que sélection UV1 déjà fait diaspora à tout le monde à travers le monde. Bon espoir. Il y a de l'espoir finalement. Le football se porte bien aujourd'hui dans nous euh, Par rapport au pays, oui. Quand même, c'est un pays où il y a le désespoir, où toutes les, tout, tout ce qui a représenté l'identité du pays, sa culture, sa tradition, tout se trouve avec toi. À New York, euh, il n'y en a que le football qui essaie de survivre bon, les autres disciplines avec. Mais qui essaie de survivre et nous, on veut encore quoi. Je ne dis pas qu'on se porte bien, non. Mais on, on marche comme une fédération normale et ce n'est pas étonnant d'ailleurs que, que nous ayons été promis de fédération 4, catégorie 4. Parce qu'il y a la FIFA classe les fédérations 4 catégories, 1 deuxième, troisième, quatrième. On est passé de quatrième à troisième et on est maintenant en deuxième. Je veux dire que bon, la première, ce ne sera jamais. C'est les grandes associations, l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie, mais on, on est là, Au moins deuxième ou une certaine profession. Catégorie 2. Et puis, Haïti est dernière dans toutes les statistiques du monde, dernière en santé, dernière en électricité, dernière en hygiène, dernière en espérance de vie, dernière en, en qualité de vie. Haïti est dernière partout. Il n'y a que football que nous soyons quatrième ou cinquième Amérique, derrière les États-Unis, le Mexique, le Canada, et même avec les filles, on vient de prouver qu'on qu a trouvé le soleil, le sommeil, on a bousculé cette hiérarchie pour forcer. C'est une grosse affaire. Première fois dans la Caraïbe, c'est quand même Haïti fait encore, fait encore euh, parler d'elle et c'est un défi la chronique. À nous Adrina, Le corps du sujet. Dans la réalité, problème, même quand on a des gens qui parlent direct. Il y a des problèmes, on a entendu les coachs, même si mesdames dit nos problèmes. Je dis, nous prenons le final, nous qualifions. Nous parer, financièrement, techniquement, qui j'en en que question pour tout le ah, monde non, non, non. financièrement non. Parer non. Et ah, très loin de préparer. C'est ah, vrai qu'on a bon espoir que tout ce qui se dit dans l'opinion se concrétise. Comme la promesse de la maison Vob qui a, qui a accordé 1000 dollars à ses filles. Euh, on a reçu l'argent vraiment et on a été à la banque on a ouvert un compte pour chacune d'elles c'était le souhait de, de Philippe qui a été international et qui a connu bien des malheurs de l'équipe nationale il a pensé que il y a des enfants qui vont dire les pieds et commençons par le commencement donc mettons cet argent à la banque et ça leur permettra si tu veux d'être entré dans le système financier tout au moins et d'avoir une certaine identité financière et voilà, on a déposé l'argent pour aller à la banque. Bon, le groupe, c'était pas seulement 20, il y en a eu davantage. Pour les autres, on a ce qui restait des 5 000, puisqu'il y avait 20 qui étaient à Trinidad, donc il restait encore 5 000. Et des 100 000, on a, on a donné 250, 300 à celles qui, pour une raison ou pour une autre, n'étaient pas du voyage de, de Trinidad, soit qu'elles étaient blessées, soit qu'elles étaient, qu étaient hors de forme, mais qu'elles ont participé quand même à l'entraînement à et à la préparation. On a reçu 10 000 dollars concrètement de la mairie de Kouadébouké. Ça encore, on a distribué aux, aux autres qui travaillent et qui peut-être seraient jalouses de voir que les autres ont eu ce cadeau. Alors que chaque matin, comme ils disent, depuis de nous lever le matin, nap travaille dur. Donc, pour le, pour le jeune pourrai pas nous séparer l'entre eux.

Pas d'électricité, pas de gaz. Donc trop de problèmes finalement pour la fédération, pour une équipe qui pourrait le faire final là. Nous-mêmes de l'extérieur, la perception c'est que tout marche bien, c'est une gloire nationale. On est content, on applaudit. La sélection U20, c'est une entité à l'intérieur d'un ensemble. Le football ici, pour le vivre, c'est mis quotidien. La fédération n'a aucun sponsor. Pas grand-chose monde qui banne rien. Nous, avons fait un match international, et puis à l'occasion du match, on banne 20 000, 30 000 pour financer le match. Mais nous pas côté, nous dit nous sur autre que ce que nous donne la FIFA. Mais tu comprends bien, ce que donne la FIFA, c'est ça tout pays, y compris l'Allemagne, la France, ou les petits pays de les petites pierres de la Caraïbe, qui ont 50 000 personnes, 100 000 personnes. ou pas qu'il y une plus bon passer, puisqu'ils ont les bah, même moyen avec. Ou. Donc, il y a pas de ce que donne la FIFA, c'est-à-dire les 500 000 dollars annuels pour l'année, avec quoi les pays employés, et il y a des mesures strictes que il faut un audit chaque année, il faut un auditeur, il faut un paquet, il faut un directeur technique, il faut un secrétariat, il faut un bagage. À part les 500 000 dollars qui sont sûrs, tous les autres c'est des challenges. Où j'inspire à bien, bien Intel, Liban Muel. Il y a des fois c'est des particuliers, comme BMPAD par exemple, il n'y a pas longtemps que tu fais un cadeau. 500 sacs de riz. Ah non, pas de durée. C'est pas de la première qualité, mais il y a des nous font chanter sous lui. Eh ben oui. On fait manifestation là, là. Du Contre ouais. ben oui. du ria. Oui. Qualité Oui, parce que je dis, dis sous, dis là. Si vous êtes ouais vous dis as dis Même dans dis, dis dis le dis dis mondial oui. Mais nous parlons du gouvernement. Le président lui-même s'est est engagé. Il défend bien il dit mes amis, il fort, faut fort Il est sincère. Et il nous faut nous tous l'encourager. Je l'ai rencontré pas souvent de fois. Mais moi, pas la velle de loin, je pensais que le grand pile bonne volonté, le grand pile honnêteté, maintenant les structures doivent suivre. Et à ce sujet d'ailleurs, je pensais que vous mettez pour chantier déjà, puisque le ministère des Affaires sociales était venu ici, il rencontré Timounio, il prend adresse parent, et selon toutes les formations que j'ai eues de la part de certains parents, il a visité par eux. Maintenant les parents ont fait des exigences. Là, la fédération doit arbitrer. Il n'y a pas de pétionville, il y thomasin. Écoute, l'État d'Haïti reste ce qu'est l'État d'Haïti. L'effort encore que nous avons fait, c'est qu'il y a depuis 3 ans ou 4 ans, nous faisons venir des techniciens expérimentés en matière de formation. L'État a dit qu'il a payé pour nous. Malheureusement, l'État n'a pas payé. Donc, on a, on a derrière un ou deux cas qui sont pendant devant de la FIFA de procès de coachs qui n'ont pas été payés. Mais espérons qu'ils ne pas pénaliser nos trop pour eux. Et nous dégager nos gens nous capables. Je dois dire qu'avec les résultats que nous fait, nous sommes une fédération un petit peu choyée. Choyée dans le sens que chaque salle que nous gagnons, nous avons nous récompense. Par exemple, ils vont, développer, ils, viennent, ils vont aller développer pour nous un programme d'appui aux équipes nationales. Avec le d'appui aux équipes nationales, nous avons deux ou trois techniciens étrangers qui vont venir travailler avec nous. Parce qu'on n'a jamais, on n'a jamais, si tu n'as pas vécu le haut niveau, contrairement à ça, mon abdi, nous avons un bon coach, nous avons un bon joueur, mais si tu pas vivre, on ne peut pas connaître. On ne peut pas toute bête, on ne peut toute théorie. C'est comme si moi, même je n'avais pas mal d'ouvrir tête tout le monde. Bon, je n'ai pas un ordinateur. Pour ouvrir la tête tout le monde, on a un ordinateur. Bon, moi, je n'ai pas têtes-là. mais avoir la pratique, l'expertise, ça, m'a dit dis, les qui ont fait 3000 têtes par année, moi-même qui parle... On a fait 3000 têtes par année, moins par mois têtes. C'est mal fou, comme la tête, mon nom. Donc, nous avons, nous faisons venir des techniciens qui nous apportent, euh, si vous voulez dire, l'expertise. Et nous espérons avancer. Naturellement, nous a toujours des problèmes. C'est le taux de déperdition. Malgré tous ces problèmes, parce que tout par ça aéros, c'est comme, euh, c'est lugubre finalement. Un monde qui a pris la il dit, quatre balles Mais malgré tout ça, nous arrivons là, Coupe du Monde, la finale. bon, problème, nous. De C'est le taux de déperdition. Okay. Nous formons des athlètes, nous formons des athlètes, nous formons des athlètes. Mais Valérie Ouellet, si on a 19 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, il va jouer au football. Lui, 20 ans, il commence commencé à ménager. Lui, a de 22 ans, il papa pas la maman sur le compte. Il a des besoins. Et puis, il n'a pas de match, pas de coble, pas de recette, il n'a pas de Donc, majorité des jeunes talents qui ont 22 ans, nous ne pas encore. Soit au mm -hmm. Patier, à Chili, à Brésil. Actuellement, la Caraïbe, Jamaïque, Saint-Domingue, Curaçao, Aruba, Kaikos, Bahamas, Babad, Cayman Island, tout, Suriname, Guyane française, Martinique, Guadeloupe, tout, ces footballeurs à nous comptons pour eux. Parce que quand même, ils ne vont pas arrêter ici, y ont des périls, mais nous comptons pour eux. Donc, l'athlète, quand même, a besoin du temps pour mûrir, yo, 10 ans, 15 ans de pratique. Par exemple, cette équipe de 20 qui vient de se qualifier, quel est l'âge limite pour se qualifier C'est des joueurs nés en 98. En 2018, ils ont fait pour 20 ans. Lorsque nous avons commencé avec cette promotion il y a 5 ans, de filles nées en 98, nous avons 37. 37 qui ont commencé dans le programme avec nous. nous, tout pays nous Actuellement, dans le groupe des 20 ans, c'est-à-dire nés en 98, il en reste 3. 3. Wow. Ce qui veut dire que l'équipe haïtienne qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde est la plus jeune de toutes les équipes. Parce qu'entre-temps, tout le monde a perdu motivation, il a voyagé, il n'a pas arrêté, ou bien par pas qu'un en bel encore, ou alors il a perdu motivation, il n'a pas s'entraîné. Le programme est un programme d'excellence, il ne pas progresser là-dedans, il lago, Il faut aller à l'école, il ne faut pas étudier l'école, il lago Et en pile, et puis il y a l'autre petit qui pille derrière, qui est plus ambitieux qui a pu monter. Donc, de ce fait, on a une équipe qui n'a que trois joueurs, par exemple, chez 98, dont Shirley, jeudi. Toutes les autres, c'est 99, 2000, 2001. On en a même de 2003 qui ont joué dans le championnat. Donc, vous imaginez la quantité de monde qu'on a perdu. En États-Unis, s'il y a 100 athlètes, il a 100 athlètes. Tandis que nous-mêmes, nous commençons à 40, malgré nous commençons petite quantité, mais nous pas qu'à Le pire encore, on a des handicaps majeurs qui relèvent délinquance, si on est la vacances et puis les elle joue un autre style qui est bon pour l'île prendre. les blessures graves, les blessures graves, par exemple, je te donne un exemple. On a, on a une fille qui a eu un ménisque, une des toutes meilleures joueuses. Et la toute meilleure, la plus talentueuse de cette équipe, elle est blessée devant le Canada en, 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 en août, en mars 2016. On a été en 2018. Il faut qu'on récupéré. Ça a pris du temps pour faire l'intervention, parce que ça coûte, pour faire l'intervention. On n'a pas de système performant de rééducation et de réhabilitation. Ça prend encore du temps. Un athlète qui a perdu deux ans sans entraîner, sans travail, sans ceci, sans cela, malgré l'ambiance lente toujours, ou douter fort. Qu'elle revienne au niveau qu'elle avait connu avant l'aller. Donc, c'est des handicaps majeurs par rapport à des pays. Un ministre en 15 jours, il jouait. On l'a garde maintenant 5 à 6 mois, il remontait le terrain et il va pas perdu. Tandis que nous-mêmes, nous avons pile de chance du fait de l'inactivité prolongée, du fait qu'il n'a pas jouer, que nous perdions. Donc, c'est des handicaps majeurs. C'est vrai que le gouvernement envisageait, il dit nous, à travers le ministre, dit nous, qu'il y pas assistance médicale en réhabilitation, mais il reste le niveau du pays. Il le niveau du pays sous par un bon matériel. Lorsque l'équipe nationale senior joue, tu sais que l'équipe nationale senior est composée de joueurs qui sont professionnels à l'étranger. Il y en a même qui ont été formés en dehors d'Haïti. Donc leur club, pour vous les céder, exige un niveau, un niveau d'encadrement. Donc quand on joue avec l'équipe nationale senior, y compris les, les thérapistes, les soyeurs, tous ils sont des gens que nous prenons du dehors des haïtiens, c'est vrai, qu'aux aux États-Unis, qui bagaille, puis les revenus eux-mêmes, ils ont tellement aimé le mouvement, qu'ils ont avec tout appareil. Donc, lorsque tu arrives, tu que, souvent, nos matchs équipe nationale, ils ont trouvé son gros bagaille, tellement ils équipé, tellement ils ont eu des moyens. Mais en réalité, c'est une façade. Parce que toutes ces volontaires, au contraire des États-Unis, du Canada, ou de l'autre pays qui a avancé au Jamaïque, qui gagne des professionnels à pointer, qui reçoivent un salaire et qui gagne intérêt dans nous-mêmes. Équipe nationale panuio, son regroupement de haïtiens, qui même mouvement. Des fois, ils viennent avec des étrangers avec eux, tout qu'ils ont mis. Et puis nous okay. retrouvons la gloire pour, pour le pays. Compétition à chaque grand match. Beaucoup de problèmes, docteur. On termine, on termine. Et je dois déjà dire à la sélection nationale de football que la diaspora est disposée, et disponible, parce que ce n'est pas seulement l'émotion, mais on aimerait voir cette équipe gagner. Nous pourrions aller en Coupe du Monde, c'est une grande première. Qui vient nous oui, a, rapidement? Nous, nous insistons en pile sur le football féminin pour plusieurs raisons. D'abord, je suis venu du football féminin. Et la plupart des dirigeants actuels de la fédération ont grandi avec le football féminin. Dans un pays où l'on opprime tant les femmes, où il n'y a pas d'importance, il y a des paysages sociétés, il y a des paysages où y a, paysages, il y a très peu de femmes. On s'est dit que eh, puisque. Le monde entier est très avancé en matière de football des hommes. Tout pays a un gros programme de développement. Mais même problème contrainte de femmes qui gagnent à Caïnois, gagnent de l'autre côté. Donc on a senti que nous, c'est seul pays qui fait un programme ça pour filles. En concentration permanente, qui ont une académie d'excellence pour femmes, c'est nous seuls qui gagnent. Et en pile le monde, d'ailleurs, la FIFA m'avait invité à faire une présentation la semaine dernière. Lors d'un sommet exécutif, et tout le monde est étonné qu'on fasse. Mais nous sommes dit que, miser pays à fond, va à Vell, pour nous faire pays avancer. Mm -hmm. Qui en a un café -fell? Mm -hmm. Toi, si tu as une petite fille de 10 ans, 11 ans, au pas baile, il fait, mais de eux. Mm -hmm. tout un année, pour loin, petite fille, ou. Mm -hmm. ou besoin le dimanche, pour mener l'église, pour l'embarquer. Mm -hmm. Et surtout, un côté qu'il garçons qui, a un petit garçon qui a vie, ou pas de mm -hmm. Mais les parents qui, soit que au pour football, donc c'est la passion du pays pour le jeu, Soit tout simplement tout, nous avons tellement de misère que on dirait yo presque yo débarrassé yo de ces Mais si nous avons tout le temps, nous avons tout le temps, par cause de la misère, mais nous avons tout le pour un niveau, pour être performants. Ainsi qu'on a quatre qui sont en France, je vais d'écrire au président de la CONCACA, je lui ai dit que j'ai au moins 20 filles qui peuvent être professionnelles, qui ont le niveau pour être professionnelles ailleurs. Ils sont professionnel, mais ils ont besoin de tout. Yo ayer, on est on e prêt à les soutenir dans le pays où elles sont, même si nous ne nou connaissons pas un cob, même si le football féminin n'est pas un cob, tout. Donc, ce sont des pays qui pour faire jouer, pour faire progresser. Depuis le cas bah, facilité l'hébergement et de jouer, reste là, entendre nous entendre ça. Maintenant, si vous faites ça pendant six mois avec Timoun, Moi, je suis sûr que vous un moment de nous à négocier ça. Depuis nous, nous avons parce que nous avons eu première promotion il y 21 ans. Si nous ne il y a un petit peu de chouette. Et pour la diaspora, ici, le dernier mot. Bon, je suis content qu'ils nous apprécient. Je vois les commentaires que vous fait dans bas Nous nous très flattés. J'ai vu des commentaires, des conseils que nous bien apprécions. Malheureusement, la... ils n'ont pas pénétré de réalité que nous avons la... vu là. Nous, pas, pas l'Espagne, nous, pas Madonna, nous, pas Neymar. On est dans un pays où nous faisons football, mais son sont totalement de passion et de bonne volonté. Les joueurs qui viennent de l'étranger, qui viennent de l'équipe nationale, l'OTAN déplacé, l'OTAN nations, ils ne coûtent rien à Haïti. Sinon, que nous remboursons, comme Tiké, nous remboursons, si vous faites des hôtels de transit pour venir jouer pour Haïti, nous remboursons ça. Nous ne au gros corps parce qu'ils aiment Haïti, ils veulent défendre Haïti. Nous ne parlons que Brésil, du Capo Fimoune, de tant mille, ceci, tant cela. Tout le cadrement de la sélection, à part l'entraîneur national que nous prenons au niveau, que nous sommes capables, tous les autres encadreurs, techniciens, et éducateurs qui travaillent avec nous, tout ces meilleur et mes pays. Donc nous pensons son ce de passion et de bonne volonté. Moi, je penser au café le tout. Le monde entier apprécie ce que nous faisons. que nous 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 une présentation dernièrement pour tous les délégués de la FIFA. La présentation est tellement touchante que j'ai reçu plusieurs fédérations du monde, dont l'Irlande par exemple, qui nous a dit qu'ils parlaient pour soutenir le programme féminin. Nous avons l'UEFA qui dit qu'il y a l'Espagne qui dit qu'il y a comment gardés communs qui soutenir nous. Et mieux encore, nous venons, par exemple, le Maroc nous a invité début mars à venir. Et, ils ont un symposium africain sur le football féminin. Ils ont aimé pour nous exposer le, le modèle haïtien ou l'exemple haïtien. Bon, c'est vrai, mais j'aime toujours là tour. Nous vivons avec une angoisse permanente. C'est une misère chaque jour. Chaque jour, est-ce que ça nous a fait hier, là, nous avons fait demain. Mais pas d'autres nous nous, nous qualifions quand même il y a un mois. Mais nous aller pour nous entraîner bien, non? Je ne dois pas entraîner. Nous avons fait sacrifice, nous avons fait effort. Heureusement qu'il y a des particuliers dans la rue de temps en temps. Ça a beau, ça, ça a beau, ça, ça a beau de l'eau, ça a beau glace, ça a beau gaz pour mettre dans là. Mais un mois après, concrètement, nous avons été très avancés dans notre programmation, à qui nous avons joué, à qui nous avons entraîné. Mais soyez sûrs, le niveau est très bon. On va se battre, nous avons le travail, nous avons gommé. Et nous avons des mondes qui est bien préparés, surtout les enfants que nous avons su éduquer dans le sens euh, euh, d'être patriotes, d'être sportifs, d'être déterminés. Et ce qu'elles ont comme acquis, acquis on en souverain, acquis empirique, les compenser manque de manque de gros moyens. Lorsque tu penses que nous avons fait match avec les États-Unis, Américains ont joué 93 matchs en vain au de championnat, nous nous. pas joué une. Ils des heures et des heures de travail. Mais notre grand avantage sur eux, c'est que quand je vois les Américains, on les a rencontrés en décembre, ils étaient obligés, ils étaient tous avec un paquet d'ordinateurs, ils étudier tout ils étaient tous sous ma sous sou vidéo apparences. Ils étaient chargés de stress et ils ne pouvaient pas nous. Ils une seule mentalité, ils sont sous-joués. Ils sont joués, joués. Donc on fait des choses qui ne sont pas orthodoxes. Tu les filles apprennent à jouer. Donc y a un, deux, trois pour faire une situation. Pas nous, je même à C'est un football sauvage. Il y a nous fait un patron que n'a fait et ça les surprend. Nous souhaitons que nous continuions. Mais je peux te garantir, au moins nous avons ici six générations. Six générations de celles qui ont été les premières. Qui ont 20 ans, 21 ans. Et puis nous avons de 12 ans. Donc, nous avons encore six équipes qui peuvent valoir beaucoup de satisfaction. Mais comme moi, c'est un miracle quotidien. Nous croyons pour nous. Le miracle haïtien est encore possible. Le fait qu'on vienne là, le fait que ta femme, ma, ma, ma fille, Valio là, ta soeur nous accompagne, et encourage nous. Et y encouragez nous parce que ça a beaucoup important pour nous que nous pour nos moyens. Parce que les moyens, on n'en aura jamais. Même si on a ben 300 millions, il ne suffit pas suffire. Nous avons la Chine, la Russie, à nos zi, à Vietnam à jouer. Nous avons fréquenter les plus grandes académies du monde. Nous avons les plus gros teams qui gagnent. Nous avons un terrains de sable. Nous savons tout ce que nous allons faire. Le peu de compétences que nous gagnons, et c'est marier la notre réalité. Mais tu peux être confiant, on, on ne sera pas ridicule en France. On va bien nous préparer. Et suivez bien. Et un œil sur la U17, qui va jouer au Nicaragua la dernière phase de qualification. Il y a des gens qui sont haïtiens. Et hein? puis, y a la dernière phase de qualification. Entre les 8 et on choisir les trois. les trois plus, plus performants. Yo bon mais nous, nous travaillons. Nous travaillons. Et je pense que nous que U17, que U20. Et les seniors qui vont commencer. L'important, on. Nous croyons que ne pas convaincre mon que c'est un projet national, c'est un projet d'élite, c'est un projet de fierté d'Haïti, c'est un projet qui peut être payé par l'autre gens. Je suis content de me le bail africain et l'autre Et puis, la finition exposée maintenant, et puis l'Afrique et dit... là, a montré la dernière image, États-Unis numéro un mondial. Ils hein. ont montré l'image Haïti contre États-Unis, et en Haïti qui a égalisé face aux États-Unis avec une chose en moins. Et puis les Africains sont contents, ils auraient dit « Bon, nous dit trop nous bon pays de merde !» C'est bien dit. Merci sur ce. On remercie on félicite la Fédération haïtienne de football. Et sachez que Téléimage ensemble avec nous, diaspora à travers Téléimage, à supporter. Merci docteur Jamba. Merci Valérie, je te souhaite bonne chance, mais surtout félicitations encore. C'est un travail formidable, c'est comme je l'ai dit dans mon, dans, dans, dans mon interview. Il y a des gens qui ont foi dans ce pays. Il y a des gens qui ont la conviction, malgré y vraiment Je vous Bozampil, mon avion, est ce qu'on tu interview à X, Y, malgré tout ce qu'on dit de nous. Mais on choisit les difficultés pour que nous ce fait fait pays à fond, timonter. Et je crois que l'antidomaine est le football là, que ce soit chez les garçons, que ce soit chez les filles, même si ça est d'une petite élite, on est attentif à ce qui se fait là-bas. On est attentif aux haïtiens, parce que nous, dit diaspora diaspora caléa. Faut l'utile, par exemple, cette équipe du 17, on a eu quand même quatre qui sont, qui évoluent aux États-Unis. Nous, on verra, puisque c'est haïtien, expertise, prend l'autre bois à poter le banon. Et nous, nous pensons que nous sommes capables de faire un pile-barre. Alors, si dans tous les secteurs, oui. les gens avaient cette obsession de bien faire, cette obsession d'excellence, que c'est pas une fatalité situation que nous connaissons, mais que, avec passion, avec amour, avec conviction, mais surtout avec compétence, nous sommes capables et élevé au niveau des meilleurs et bien situation pays hier tapis bien well, well,